Donc ici, il s'agit d'un archiluth, c'est de la famille des luths. Comme les violes de gambe, c'est un cousin de la viole de gambe. La viole de gambe était là en même temps que le violoncelle, et ensuite le violoncelle a démodé la viole de gambe, la guitare a démodé le luth, mais pendant du 11e siècle au 17e, 18e siècle, c'était l'instrument qui était le plus joué, c'est même l'instrument qui a le plus de répertoire, de tous les instruments compris, on ne s'en rend pas compte, mais au moins 30 000 pièces pour luth. Il y a beaucoup de musique. En fait, c'est un instrument qui vient du oud, qui est un instrument à quatre cordes, qui vient d'Afrique du Nord, et qui a voyagé à travers l'Afrique du Nord vers l'Espagne et qui s'est ensuite propagé en Europe, à l'époque médiévale. On a commencé à rajouter des cordes, donc 4 cordes sur le oud, 5 sur le luth médiéval, 6 sur le luth médiéval. Elles étaient souvent par deux, on appelle ça des chœurs. Donc là on aurait la chanterelle, qui est la première corde, la deuxième corde qui était doublée en fait. Il y en a deux des fois, ça dépend des instruments. Et après, quand on arrive à l'époque de la musique baroque, on commence à rajouter encore plus de cordes pour aller jusqu'au fa grave. Ça, c'est pour donner de l'impulse dans les ensembles baroques et avec les chanteurs aussi.